Je serais absolument incapable de le dire. Je ne... ce qui est certain, c'est que si on regarde la trypanosomiase africaine, sur le continent africain, la maladie du sommeil, transmise par la mouche tsetse, la glossine, on sait que la réémergence impressionnante, épidémique de cette maladie est liée à la désorganisation, et c'est pour ça que c'est en lien avec la question de monsieur, à la désorganisation des services de lutte contre la maladie du sommeil de l'époque, qui étaient des organisations transterritoriales, hein, qui étaient régionales, qui touchaient plusieurs pays. Et voilà, les phénomènes et politiques et économiques ont fait que chaque pays s'est retrouvé un peu isolé. La lutte a cessé ou n'a fonctionné que d'un côté de la frontière et pas de l'autre. Et ce sont des épidémies foudroyantes qui ont concerné l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale avec cette maladie du sommeil qui est une maladie absolument pathétique. Ce que vous expliquez très bien, que le changement climatique est un facteur, mais que ce n'est pas le seul facteur. Du tout. Vous avez parlé de la globalisation, des voyages, de l'avion, de l'import-export, etc. Tout ça sont des vecteurs qui favorisent l'essor des maladies. Alors maintenant, pour essayer de répondre, c'est un terrain un peu... m'emmener sur un terrain un peu polémique, mais c'est vrai que la France a une histoire sur les maladies tropicales, a eu un savoir-faire absolument magnifique et on était effectivement au devant de toute cette expertise. On ne peut que déplorer la fermeture d'instituts de médecine tropicaux sur le territoire français. Le dernier en date, l'Institut du Faro à Marseille, c'était une grande perte pour la médecine tropicale, en termes de formation, en termes de savoir-faire, d'expertise et de mission de terrain. C'est vrai que quand on perd cette expertise-là, on peut un jour le regretter dès lors que ces pathologies risquent de revenir. Et c'est vrai qu'on aujourd'hui, serait un peu... qui s'intéresse en France à ces sujets ? On connaît l'Institut Pasteur. Il y a différents instituts. Il y a le service de santé des armées également. Il y a oui, l'Institut Pasteur. Il y a l'INSERM s'intéresse à cela. L'assistance publique des hôpitaux de Paris. Mais c'est vrai que... Il y a de grands services à la Pitié-Salpêtrière où vous pratiquez, par exemple. Est-ce que le service oui, est important? Ça fait partie des services. Il n'y a pas que celui-là. Il y a oui. plein d'autres services sur le territoire français. Mais c'est vrai qu'on a probablement perdu depuis quelques décennies de cette connaissance qu'on maîtrisait plutôt bien à une époque de par l'expérience dans les pays tropicaux. Mais ce sujet de réchauffement climatique, c'est un sujet qui est pris en compte par le corps médical? On s'y intéresse, on s'inquiète, on se prépare? On se prépare plus à l'éventuelle survenue de phénomènes épidémiques dont on craint les conséquences, hein, que ce soit une grippe aviaire, que ce soit le SARS, que ce soit Ebola, etc. Parce qu'on sait qu'on n'est pas toujours préparé à l'isolement, aux mesures de précaution drastiques, plus qu'au changement climatique lui-même que l'on subit, plus que sur lequel on n'a pas beaucoup d'intervention ni de... On essaye de se préparer aux phénomènes épidémiques émergents. Et ce qu'on craint, c'est effectivement l'émergence de pathologies nouvelles et sur lesquelles on serait un peu perdus.